30 jeunes se réunissent à Sudbury, Ontario. Le thème, le bilinguisme. Et le jambon. La journée commence avec beaucoup de fun. Bonjour, Matt. Hello, Rachel. Bonjour, Andreas. Bonjour. Ça fait combien de temps que t'es au forum? 4. Non, 5 jours. Et est-ce que t'aimes ça, t'es levé à 7h du matin? Les animateurs ont contracté un virus qui leur a fait perdre la voix. Pour les soigner, les ambassadeurs ont dû se sacrifier. Lamine, c'était un blast. Ok, combien de fois est-ce que tu as été éliminé en hoi aujourd'hui? Pas éliminé, déporté. Hein. Encore là, c'est bien qu'on n'ait pas en parlé sur un piquet. Honnêtement, je suis pas, mais... je serais pas capable de compter sur les doigts de ma main. Soit j'ai été éliminé trop de fois, surtout que j'excelle pas particulièrement à ce jeu-là. Ouais. C'est la vie. Quel RTO? Top. Oui, top. Qui avait cru que d'avoir du sable dans sa nourriture était si délicieux? Ah, le FNGA nous a permis de rencontrer de nouveaux amis partout au Canada. Des roches de nickel adorables ainsi que des animateurs enjoués, dynamiques, passionnés et particuliers. On y a appris un tas de choses. Nous avons eu la chance de rencontrer des gens de toutes les provinces et d'ainsi mieux se comprendre. Nous y avons merveilleusement perfectionné notre français et notre swag! Quelle merveilleuse chance nous avons eue! Quand je pense qu'à la place, j'aurais pu rester chez moi à me morfondre en écoutant des vieilles chansons de Justin Bieber. Ouf, je l'ai échappé belle.